Father, that we must do. Monsieur Jonas, frère Bio, moi salue nous. Moi salue toute nation haïtienne en général. Et moi salue la communauté chrétienne en particulier. Moi c'est le pasteur Arthur MacArthur, le DG des profondeurs Arthur MacArthur. Je dis à toute nation haïtienne, chaque grain haïtien, conscient que nous sommes dans une situation, dans une heure qui est vraiment grave. Côté que la majorité de la population est décapitalisée, la majorité de la population est dans la crasse, dans la saleté, dans la misère noire. Et en plus de ça, nous avons une situation côté de guerre, une pandémie qui a frappé le monde. Et qui vivent la caille dans tout. Naturellement, nous avons parlé que ce n'est pas négligence, ce n'est pas mauvaise foi de rappeler le monde qui a dirigé le pays, ça qui fait pas de bien frapper. Non? Nous avons dit que Dieu soit loué, ça dit qu'il est grave. Ça dit qu'il est grave puisque nous sommes une nation qui est moins touchée. Mais tant de nations que la pandémie a fait un grand ravage. Et nous disons un gros merci pour ça. Tout secteur, tout monde dans tout secteur touché et souffert en pile monde mourir. Il y a des millions de monde mourir, mais même en Haïti, il y a encore une centaine de monde qui mourir. Et nous disons, centaine de monde qui mourir avec tout le monde qui a touché et souffre à pile, nous sommes capables de ne pas toucher si il y a des mesures qui devraient viser tout le monde, qui visent barrières, qui devraient viser tout le monde pour empêcher que le monde qui a des problèmes, ça a été dans le pays. Aussi, nous espérons que dans le pays, parce que le peuple doit souffrir à peine, que le grand temps qui arrive, côté du peuple, ça, va gagner des dirigeants valables, des dirigeants moraux, des dirigeants conscients, des dirigeants qui responsables, qui vont régner le pays. Pour mener vers la prospérité, vers le bonheur, qui mène le pays vers le bien-être. Donc, nous demandons, nous avons suggéré, nous avons conseillé, nous avons exhorté tout haïtien, jeune ou vieux. Pour y faire un pile d'efforts pour prendre responsabilité au travail dur, pour étudier dur, pour y faire tout ça au capable pour le pays d'Haïti, pas toujours la queue camionnette. Et la demander déjà, mon capit, pour le pays ça, et dans le jour qui est pour venir, pour que vous fassiez preuve de responsabilité pour que le pays soit souffré. Parce que vous avez des petits mondes qui exagèrent, des petits mondes qui ont fait avec les habitants qui ont tué, des petits mondes côté où ils étaient, la saleté, la classe qui ont été, ce côté qui a la vie précaire, qui a ils sont très vulnérables. Et bien normal, dans le 21e siècle, ça, pour le monde armé, parce que tout le monde connaît pas, qui a semé le deuil, semé la pagaille, dans la population, et qui fait tout, qui alarme tout le monde à bon droit.
a raison, tout le monde arabe, monde qui essaie, monde qui n'a pas étranger. Nous pensons que, avec COVID-19 là, en pile pays, en pile responsable, tirer le sort que pays, surtout cap, tout pays, petit pays, un gros pays égaliste, nous c'était qu'ils ont tiré le sort, qu'ils ont connaît que c'est seul bon Dieu qui règne, et que l'homme en a fait méchanceté, eh bien, méchanceté a trouvé sur eux, a pris tous les sur eux, comme une balle de boomerang. Et que ils ont été à repos de bail Haïti et tout notre pays chasse au sorti dans ma race puria, dans la douleur puria, dans la souffrance abjecte puria. Je dis à la puria, c'est rare monde qui mange, c'est rare monde qui voit une petite l'école. C'est rarement qu'il y a assez à se sortir. Parce qu'il y a des gens de mauvaise foi qui contentent pour voler toute richesse pays, pour voler tout bien pays et pour empêcher la grande majorité de la population pas capable de vivre, pas capable de respirer. Donc, frère à soeur Aïsdé, je m'a demandé à mon qui est leader politique, dirigeant politique, mon qui est responsable du West, directeur d'hôpital, directeur des médias, journaliste, pasteur, prêtre, pour prendre conscience que dans cette douleur, à travers des salines, Toussaint et Christophe, pour dire que ça seulement. Des banons au pays avec soif, foyer, avec ça qui est coulé, et que nous-mêmes nous faisons effort pour nous au moins diriger le pays. Nous avons dit tout le monde à ce deuil. Bon que les bandits à tort ou à raison. Yo, suspend ce deuil de la population. Suspend la population à crier. Parce que ça, monde qui est victime de la sortie, qui ça au même monde qui a sorti tout. Sauf que la place victime là, et que victime de la place au même pouvoir. Nous souhaitons également que le pays apprenne, les dirigeants apprennent à arranger pour que la justice dans le pays. Parce que la Bible a dit, la Bible, là, c'est la parole, la vérité, la parole de l'évangile dit, la justice élève une nation, mais le péché, c'est la honte des peuples. Le péché, la méchanceté. Crime, massacre, vol, pillage, c'est honte au peuple. Et là, Isaïe 33, verset 1er, verset 1er, il dit, malheur à nous-mêmes qui avons pillé, qui avons copié, malheur à nous-mêmes qui avons volé, qui avons volé, qui avons massacré, qui avons massacré, quand tu vas finir massacrer, tu vas massacrer, tu vas finir voler, tu vas finir pillé, tu vas pillé. Bible clair dans ça. Sous ça. Donc, ça devient abrivé. Et nous voulons que pas de monde qui va attendre au tical de l'évangile. Pas de monde qui va attendre, qui va connaître, qui va au courant plus ou moins de la loi de Dieu. Donc, si nous demandons, frères et sœurs, nous faisons un pile effort. Pour rouvrir des sens, pour ouvrir le pays, pour tout le monde victime, même les policiers, même des agents de l'ordre, ils sont même tous victimes.
Temple, Timon, Gabon, Fink, Gasson, Temple victim. C'est pas possible. Mais soyez un petit Timon. Un petit monde qui a 18, 20 ans dans le pays ça. Bien que c'était sous la dictature. Mais là, on va tirer cet événement. Le coup de la tirer, le monde massacrer, le monde ne va pas dire rien, pas dire haïtien, ainsi de suite. Il y a un peu de fait. Bagaille ça, c'est fini. Et on dit que le pays a respiré dans l'autre air, que l'on vit dans l'autre atmosphère, une atmosphère qui sereine. Côté que nous sommes capables de dire, nous sommes dignes de fils, filles de Dessalines. De tous ceux de Christophe, de Charles Barpirat, de Bois-Rontonel, de Capouanavant, qui battent, qui souffrent pour que nous payions ça. Je ne nous souffre trop. Je ne nous souffre grand. Et de côté, c'est après Dieu qui veut dire ça pour être pâté, pour être plat de spaghetti. Ça, c'est une honte pour nous, messieurs, qui n'y a pas qu'être l'argent, nos séries. Yo on pour le monsieur qui va quelque corps va faire la donc à pourri parce que il y a un gouvernement qui on donne des décrets pour assumer ça parce que dans l'article 5 là qui parlait de morphologie pour changer ça comment nous pouvons décrire ça bon c'est que même j'avais tout pasteur qu'on arrive avec tout évangéliste qu'on arrive association des évangélistes de qu'on arrive nos propositions claires et dit que c'est inadmissible. Bon, pas sérieux que mon président fait. C'est que pas sérieux que mon président fait, c'est pas changer de sexe. Pas que pas qu'on va venir nous. Mais c'est une honte. Pas que c'est chrétien, non? N'importe quel monde qui va chrétien, capable ça va révolter n'importe quel monde. N'importe quoi, c'est chrétien, non? Pas que c'est pas, n'importe quoi, c'est révolter. Chacun change de sexe. Hein? Change de sexe. Mes amis, wow. Et puis c'est ça que nous avons fait pour nous. Et ça que nous avons continué à travailler, à manger, à vivre. C'est plus que moitié de la zone qui va manger. Qui mange une fois sur deux. Qui mange parfois. Qui mange un jour sur trois, quatre, cinq. Dans mon cas, nous avons fait quatre jours à manger avec ma vie. Et puis, pour le monde qui a un président et qui a parlé de changer de sexe, tellement de choses ont été réglées, tellement de problèmes ont été solutionnés pour ces problèmes pour changer de sexe. Révolter, bon Dieu, compte-toi encore. Je connais mon Dieu, mais Haïti, mon Dieu, pour apprendre à prendre note de qui le monde qui concerne, ce n'est pas pour Haïti qui va payer à rien pour aucun monde. Donc, c'est comme ça que je vais répondre. Parce que dès l'autre bout de bagaille, Gadiel, que le monde qui président a doué, qui président qui a pas de passer, c'est pas de ça à ça, pour ta passer. C'est un bagaille, c'est quand on a plus que d'autres bagailles, quand on va venir nous, quand on descend nous, quand on entre dans le trou, ça c'est une encore, c'est une autre question, quand on entre dans le trou, il faut que vous êtes nous là. Parce que vous pouvez marquer, vous pouvez. Alimenter là, peut-être est-ce qu'ils sont des distributions marchées avec. Oui, oui. Bon Dieu, bénis-moi matériellement. Bon Dieu, bénis-moi quelques petits bagailles. Bien même. Je voulais solidariser avec frère, avec Sergio, qui est dans le quartier populaire. Quelques là-dedans, parce qu'on est tellement en ville. Quelques là-dedans. Mais parce que, en tant qu'haïtien, en tant que monde, qui fait les étudiants à l'Élysée Pétion, les étudiants à la philosophie dans l'Élysée Pétion à 3 dollars, à 15 gouttes par année, je dois payer ça. Je dois petit monde qui te paye étudiant, qui te paye taxes pour être capable d'étudier. Je dois faire ça. Même j'ai avec gouverneur Arnold Schwarzenegger, ici autrichien, il a été immigré aux États-Unis, il fait fortune aux États-Unis et il remet aux États-Unis, ça, aux États-Unis, investit là-dedans. Mais même tout,
Je ne veux pas trop parti dans ça, frère Aïssel, investissement. Aussi, je vais passer à faire l'autre distribution. Nous avons quelques sacs de riz, quelques galons d'huile, quelques boîtes d'huile, quelques sacs de bois que je venais distribuer à un parti, à quelques monde dans la population, hein, pour que nous soyons capables de soulager et alléger un petit peu la misère, non à ça, qui a traversé la population. Et dans le même temps, nous encourager tous nos frères et sœurs qui ont moins de moyens que moi, qui ont même moyens que moi, mais qui ont beaucoup plus de moyens économiques, financiers que moi, pour mettre une partie de ça au service dans la main pour la soeur, pour soulager. Et je m'oublie, vous me dites, quelques haïtiens, faites même jeu avec le président haïtien. L'idée, pas dans le pouvoir, avoir le pouvoir, les faire action en faveur de la population, en faveur de la masse, en faveur de tout le monde, en faveur de la majorité. L'idée, le président, il fait pire. L'idée, pas président, il fait pire encore. L'idée, c'est pas une université, un bagage de classe, un bagage compétitif. On va garder que tout le monde en vie, tout le monde jette à les mains à l'université, l'IFA, l'université de Fondation, docteur Jean-Baptiste Aristide. Donc, comme ça, on n'a rien que le monde qui veut se pouvoir, le monde qui est sénateur, qui va faire rien au pays, qui est au contraire sur ce pays, le monde qui est député, le monde qui est corps, la mer, mettez au parti de sa guerre, hein? Non, mes peuples. Ou bien tout, faites quelque bagage, faites quelque œuvre sociale pour le peuple capable de bénéficier, capable de nous miettes, que tout ça, lui, rit pour faire du bagage.